Il existe trois familles de farts. La première famille, ça va être les farts solides. Et dans cette gamme, il y aura trois types de farts solides. Le premier, ça va être le CH. Le CH, on va surtout l'utiliser pour de l'entretien, parce qu'il n'y a pas de fluor dedans. Le deuxième type, ça va être le LF. Donc là, il y aura un petit peu de fluor dedans, donc on va plutôt l'utiliser pour se faire plaisir à l'entraînement avec un petit peu de glisse. Et le dernier, ça va être le HF. Donc là, il y aura beaucoup de fluor dedans, on va plutôt l'utiliser sur des compétitions. Il va nous servir aussi de base pour les farts qu'on va mettre au-dessus. C'est un fart qui a une durée de vie de un peu plus de 50 km. La deuxième famille va être les farts en poudre, dites Serra. Donc là, on va l'utiliser uniquement pour les courses et donc sur une deuxième couche, uniquement après un HF. Il aura une durée de vie entre 30 et 40 km. Puis la dernière famille, ça sera les farts liquides, dits accélérateurs. Ça va être vraiment la dernière couche d'un très bon fartage de course. Et il est assez éphémère, il a 7-8 km de durée de vie. Par contre, il est très efficace sur le début.